Salut YouTube, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Hop, je suis juste à chat Discord. Ok, Discord, c'est bon. On est parti, j'espère que tu vas bien. Épisode précédent, on jouait à Nioh tranquillement. Et on était arrivé. Je crois qu'on était bientôt au boss de la mission d'après tuto. Hein, la berge des pirates, là où je sais plus comment ça s'appelle. J'avais jamais remarqué, mais en fait, les deux là, ils se battent comme des samouraïs et tout, et c'est rigolo. Regardez. Ouh, il lui a ouvert le bide. Et là, psouille! Il est mort. Ils sont très drôles. Par contre, on voit leurs boules, c'est cringe. les voix, on les avait déjà montées, c'était bon. Qu'est-ce que je voulais monter? Pas les effets sonores? Ah ouais, juste le volume général encore un peu. Ça devrait suffire. Continuons. Je me demande si on a d'autres esprits, on les voit sur l'épée là. Ce serait stylé. Bon, on est parti, j'espère que ça me reprendra à l'endroit où je me suis arrêté parce que j'ai la flemme de refaire les combats que j'ai déjà fait qui m'ont rendu terriblement dépressif. Ah ouais, la première mission elle est dure. Hein. Elle te met direct dans l'ambiance, hein, ça rigole zéro, ok. Bon, la bonne nouvelle c'est qu'on est déjà très très énervé. Hein. On est là, on a envie de casser des gueules. Alors, j'ai quoi en flèche? Ah, j'ai des flèches normales, c'est bon. De nouveau des flèches. Ça me régale. Toi là. Pas le bon bouton. Ok, focus. Voilà. Oh non, le bâtard. Bah écoute, il a décidé de jouer au con. Il a joué au con. Alors lui, pour des raisons assez évidentes, de ça me fait chier. Il va donc mourir. Paf. Voilà. Non, comme ça. Un ennemi serait déjà sorti. Voilà, j'allais dire, un ennemi serait déjà sorti pour venir me casser la gueule si c'était, s'il y en avait un. Ok, il y en a un avec une lance là-bas qui a l'air un peu énervé. C'est ici hein, qu'il y a le démon. Ouais, c'est ça, je voulais pas l'affronter tout de suite parce que je me suis dit, bon. Ah, mais quoique, j'ai mon pouvoir là. Oh, vas-y, on va lui casser la gueule maintenant. Elle doit être ouverte de l'autre côté? Mais comment on passe là? Je dois passer d'en haut. Bien la pression. Elle doit être ouverte de l'autre côté. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Qu'est-ce que c'est que ces conneries encore? Mais écoutez. Essayons de passer par le haut. Hein. Il n'y a aucun monde où je peux... Ah si. Si si. Je pense là je passe. Ouais, je passe totalement. Allez. Moi je dis ça se fait. On reste là. Voilà. On focus. Et là, paf! Non, oui, paf. Voilà, comme ça. Allez, vite, donne le coup spécial. Voilà, let's go. Ouf. Je sais pas ce que j'ai pris, mais j'ai pris des trucs, hein. Je suis très heureux. Ok, les étrangers se transforment en monstres. On retient. Les étrangers sont des monstres. Quoi, vous êtes racistes? C'est le jeu qui l'a dit, c'est pas moi. Hein. C'est le jeu. Oh, des meilleures bottes. Est-ce qu'elles me rendent encore plus lourde? Alors déjà... Non merci, bon, oh le charisme, mais non merci, on n'est pas là pour le style, on est là pour la défense, on pèse plus lourd, décidément aujourd'hui je n'ai vu que le chiffre 86, hein. Je l'ai vu en bas, en masse, hein. En plus grand des plaisirs, bon bah on a pris le katana, ok, oh le petit kick, attends je vais prendre le truc qu'il y a derrière pour voir si ça peut me recharger mon pouvoir, je crois que c'est des trucs qui se rechargent à chaque fois qu'on se repose, ça... ouais ça donne du pouvoir de Dogo. Du coup, je vais aller prendre celui qui est en haut. Je vais aller prendre celui qui est en haut. C'est chiant que hors combat, on perd quand même de l'endurance quand on court. Parce que c'est vraiment juste pour nous handicaper si on tombe sur des mobs. Tiens, ça te dit, t'as pas le droit de te reposer. Littéralement, si on se repose, c'est qu'on est une salope pour le jeu. Et si on court, bah, on est une salope aussi, donc c'est un peu spécial. J'avoue que si j'aurais changé un truc, c'était ça. Hein. Alors attends. Lui, je serais... Parce que j'ai pas envie d'affronter les deux en même temps. Je pense que je peux le one-shot avec l'arc. Ouais. Ok. Finalement, j'avais pas besoin, vu qu'ils se tapent tous les deux à l'arc. Ils sont pas très forts. Très bien. Des flèches, on prend... Ah. Salut, toi. Ah, ok, bon, tant pis. On va le taper classique. Nice. Petit sel. Mais en fait, le sel...
J'ai eu des titres, super. Votre niveau de réputation a augmenté, vous avez reçu des points de prestige. Des titres. C'est quoi les titres? Titres. Amidrita, qu'est-ce que quoi? Hein? Nekatoto de qui? Quoi, en faisant des succès Steam? Mais dans le jeu? Je peux avoir des bonus? Oh waouh! Ouais, des stats et tout, que des trucs que je lis jamais dans les jeux, c'est génial. Parce que j'en ai rien à foutre. Oh! Eh! Je l'ai vu, hein! Je t'ai vu, petit bonhomme, hein! J'arrive. Hop là, allez, va au sanctuaire, mon petit pote. Putain de jeu de merde. Putain. Je me suis fait Elden Ringed. Oh là là, YouTube. Tu n'imagines pas ce qui vient de m'arriver. Tu n'imagines même pas. Oh, on a plus nos âmes, c'est vrai. Oh, je suis dégoûté. Oh, ça va être dur. Pour vous expliquer, Dutch m'a envoyé un message. Donc, comme d'habitude, j'ai accouru tel un héros pour aller vocal de parler de choses random, comme d'hab. Mais pour vous expliquer, en gros, le monde n'est qu'un chou. Voilà. Personne ne comprendra, personne n'aura le fin mot de cette histoire, mais le monde est un chou. Et c'est quelque chose. Putain, mes âmes sont là-bas, je les vois d'ici. Oh là, c'est... J'en ai appris des choses, hein. Des sombres secrets, hein. J'ai encore des flèches, ça régale. Toi, viens mourir. Oh non, les autres m'ont vu. Ok, c'est bon. Ah, je vais mourir. Non, je veux pas perdre mes âmes. Viens là. Ok, je suis dedans, je suis concentré. Quand c'est chiant qu'il faut qu'on soit vraiment proche pour le viser. Ça, on fait mal maintenant. Je crois que c'est parce que j'ai augmenté mes dégâts quand même. Je crois que j'ai quand même fait un peu d'efficacité. Bon, récupérons nos âmes. Sans faire de conneries. Là, merci. Hey, je t'avais pas vu, toi. Tu es mort. Salut, toi. Je t'avais pas vu. Ah, j'ai raté, je suis dégoûté. Meurs. Ça va, hein. Les dégâts sont présents. Oh putain, eux, j'ai pas envie de m'en approcher. Mais je crois que je les ai déjà affrontés en plus. Un Tori. Est-ce qu'il y aurait un mini-boss derrière? Ou l'apocalypse? La vache, elle est rentrée dans le mur. Ok, il y a un joueur à affronter déjà. Peut-être que c'est le joueur ultime du niveau, il est genre trop fort, genre imbattable. Oh. L'épée Akari. C'est quoi ça, l'épée Akari? C'est pas une épée. C'est quoi, c'est là? Bougie invocateur. Invoquer des esprits gardiens et de l'Amrita depuis les tombes. Cet objet rare à fabriquer à base de cire extrait. Et 8 ans. Ah, épée Akari, voilà. Épée courte utilisée pour le suicide rituel. Oh, je jure, je peux me harakiri. Utilisez cet objet pour vous faire harakiri. Vous perdez alors tout, mais vous conservez votre honneur. Vous perdez votre Amrita et retournez au sanctuaire le plus proche. Ah, j'ai trouvé le couteau de suicide. Je peux me sépucu. Ah ouais, level 2, ok, il est super fort. Il est super fort. Je pense que je peux le battre, mais c'est chaud, quoi, vraiment. Genre, vraiment, il doit pas être facile à battre, lui. Hein. Par contre, il devrait être super bien pour affronter le boss. Hein. Est-ce que je prends le risque? Est-ce que j'essaye pour vous? Allez, j'ai envie d'essayer. Hein. Icebow Katana, il va être super rapide, découpé par Yoki. J'ai bien envie de le tenter. Je vais mourir, hein, je le sais. Hein. Je le sais que j'ai déjà perdu d'avance. Hein. Non, c'est pas le bon bouton. Ok. Oh. Oh, attends. Il est... Ok, il est tendu. Voilà, au sol. Nice. Oh, je l'ai battu. OMG. J'ai pris la coupe. C'est... Mais il m'a looté que des trucs nuls.
Je suis dégoûté. Bon, en tout cas, on l'a battu, c'est plus important. C'est littéralement le plus important. Arrange-moi ça, s'il te plaît. Eh ben, je crois que c'est l'heure du boss. Je crois que c'est l'heure de mourir comme une merde sur le boss. Ou alors de le first try parce qu'on est juste un trop grand BG. Vous en pensez quoi? Franchement, je vais me faire casser la gueule. Oh, attendez. Genre, je peux aller là sans me noyer. Je vous crois pas. Je vous crois pas un seul instant. Voilà. J'ai mon invocation. Allez hop, le boss. Je pense, hein. Je pense que c'est le boss, là. Je me souviens qu'il était dans le bateau. Hein. J'ai encore des quelques petits souvenirs. Hola, me llamo William. Ah. Oui, c'est donc définitivement ici. Ah, le voilà. Nani. Ah, il a une sale gueule, hein. Oh, regarde-moi le cochon. Ah, il va taper dur. Ah, il va surtout taper loin. Oh non. Bon, on est mort. Hello Onryoki. J'ai pas la rêve du Japon, donc je sais pas. Oh, bon. Ok, j'ai glissé, ça n'a pas marché. Ok, oh, d'accord, mais comment je peux taper au corps à corps comme ça? Attends, c'est quoi? Muda 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 Muda. Utilise son pouvoir. Oh non, je suis mort. Ouais, super. Je me fais casser la gueule. Oh, il est dans la salle de boss. J'aurais pas dû utiliser mon pouvoir comme ça. J'aurais dû apprendre, en fait. Bon, bah tant pis. Allez, on y retourne. Il va être dur, le boss. Il va être sacrément dur. Allez. Est-ce que je peux passer là? Dites-moi que je peux passer là. Je peux passer là. On y retourne. Je suis plus tendu. Ah, il va être trop dur, le boss. Vraiment, ça va être super dur. Je sais pas comment ça va passer, honnêtement. Ah, salaud. Ah, bâtard. Ah, bâtard, putain, je suis trop con. Ah, ça va vraiment être trop dur, hein. Ça va être spécial. Hein. Il me faut juste le bon timing. Oh, le chien de la casse. Il a tellement de vie. Des bons chiens, je vais perdre. Oh, sure. Let's go. Phase 2, P2. Ah. Oh, non. Oh, non. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? J'ai pas pu esquiver. J'avais plus d'endu. Ah si, j'en ai quand même 4. Oh. Est-ce que je peux acheter des trucs ici? Oh, la bénédiction. Qu'est-ce que j'ai? Cité d'Amrita obtenue. Moi j'ai ça, butin des matériaux, on s'en fout en vrai. Putain d'élixir, je sais plus ce qu'on a besoin. Et là, on en a pas. 6 sur 9. Plus 1. C'est quoi libérer la bénédiction? Et vous ne serez plus protégé. Ah non, merci. Genre si j'ai pas d'autres pouvoirs, enfin d'autres objets qui peuvent être intéressants pour lui. Pot de yokai contient de l'eau de demande souterrain. Hein. Lancez-le et ouvrez un portail vers le royaume yokai. Merci, il m'en fout.
Ah, des grosses pierres d'esprit qui donnent beaucoup d'Amrita. Elle fiche de grosses quantités de dégâts de ki au yokai à proximité. Hey. Hey, c'est peut-être le moment de sortir le sel. Peut-être le moment de sortir El Sel, El Salto. Ok, go. It's time to shine. Oh, yeah. Allez, go, go, go. On y va, on y va. Ah, ok, d'accord. C'est pas ce que je voulais faire. Déjà ça. Ensuite. Paf. J'ai raté. Ok, ça a fait 3, c'est génial. Esquive. Ok, on est là. Okay. Oh, le chien. Non, putain, j'ai pas pu esquiver. Bombe. Ok, je pense que taper vite, c'est mieux. Oh, le chien. Hop, potion. Bombe. J'ai plus de bombe. Ok, c'est bon, j'ai esquivé. Let's go. Oh, il a plus d'endu. Ok, je vais pester le truc. Esquive. Plus d'endu, je peux d'endu. On se calme. Amrita. Je vais essayer d'obtenir mon pouvoir. Non. Ouf, tout va bien. Encore une. Je vais mourir. C'est bon. Pouvoir. Uda. Uda. Ok, c'est bon. Oh, il brûle. J'avais pas vu. Oh non. Mais mon dieu. Non, j'ai plus d'endu. J'ai plus d'endu, sa mère. Je l'avais cassé la gueule. Oh non, j'y étais arrivé. Ouais, ça va être long. Enfin non, on y était presque, hein, donc ça va pas être si long que ça. Ah, j'en ai toujours 4, c'est cool. Par contre, j'ai plus de bombes. Moins cool. Salut toi. Non, non, me tape pas. Je t'ai rien demandé. Salut les gars. Non, non, je suis pas là. Ok, on y retourne. On est là. On récupère lui. Jamais, jamais. Ah non. Putain, il tape vraiment loin derrière. Hein. C'est une honte. Hein. Ah non. Putain, sale chien. Je sais pas si je devrais plutôt roll-in là-dessus. Non, tu vois, ça touche quand même. C'est un peu aléatoire en vrai. Est-ce que je peux pas parier juste? Je peux parier. Je peux bloquer. Ah, ça c'est bien. Ah, j'ai pas pu bloquer. Dommage. Ah, fait chier. Non, je vais pas faire la Amrita. Quel con. J'ai plus de potions bientôt. Hein. Yes. Ok, vraiment, c'est très risqué hein, les attaques lourdes. Hein. Yes. Oh, attends, oui. Très bien. Il a plus d'endu. Oh merde, quel con. Je suis mort, c'est bon. Ah, il a mis plein de zones au sol chiantes. Vas-y, tape, tape et saute. Yes. Oh merde, non, 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 ça c'est mauvais. Oh,
Tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. J'ose plus taper. Hein. Oh, j'avais pas vu, je fais 400 en fait. Hein. En fait, je tape dur. Hein. Oh, il est mort. OMG. Let's go. On prend tout. Bon, on verra plus tard. Yes, let's go. Putain, on a battu. Oh, il y avait des loots. Il y avait des loots. Attendez, on regarde ce qu'on a obtenu. Est-ce que c'est bien? Une hache qui est moins bonne. Bon, c'est là. On a obtenu ça. Un casque toujours moins bon. Hein. Toujours. Hein. Une meilleure armure. Hein. Pour autant de résistance. Non, elle est mieux. Totalement mieux que celle-là. Hein. Et celle-ci, même pareil, mais au moins bien. Ok, noté. J'avoue que mon casque il a un petit flow hein, quand même. Hein. Ah bon bah très content, on a battu le boss, ça va, j'ai pris 3 trails je crois, c'est noble. Allons-y. Terminer la mission et continuer, oui. Oh Nio. Tant on tape dur avec notre build force. Hein. Oh quel charisme. Et sa valve là, sa big valve. Bon après c'est un peu ridicule mais bon ça défend. Who are you? A foreigner? Your skill against Oni is impressive. As is your skill with English. Hmm. My name is Hanzo Hattori. Oh! J'ai quelques noms quand même. And you are? Call me William. William. I'm here in pursuit of someone. An enemy perhaps? Hunting a person down in a strange land will not be easy. Mm-hmm. If you lend me your strength in fighting Oni, I will help you in return. Comme ça. D'habitude, les Japonais veulent pas d'aide extérieure, monsieur. Well then. C'est vrai que t'as même ça. Dawn is breaking. Et qu'il a un chat dans sa poche, s'en bat les couilles. Cet homme a un chat dans son dans sa poche. Ça doit être forcément un giga chat à suivre dans notre aventure. Putain, ça me fume. Oh, je crois. Ouais, il y a quelques zones dans le jeu qui sont un peu chiantes, je m'en souviens. Je crois qu'il y a une zone, frère. Je crois que la prochaine zone où on va aller, c'est une caverne. Et elle est abominable. Genre, je crois que le boss, en plus, il tape trop vite dans mes souvenirs. Hein. C'était galère. Hein. Que des souvenirs de dégel. Hein. Et voilà l'écran des quêtes OMG. Tenkabito de atta Taiko Hideyoshi-sama ga nakunari. Kono kuni de wa ima, futari no samurai ga ha o kisotte oru. Hitori wa Hideyoshi-sama o tsuida Ishida Mitsunari to. Tenez pas. Mou hitori wa waga shikun, Tokugawa Ieyasu. Ah, Tokugawa. Washi wa C'est que des histoires comme ça, il faut connaître les noms, c'est un peu comme jouer Elden Ring, sauf que je comprends pas. C'est l'histoire du Japon. Eh, hey, j'ai pas cette armure stylée, moi, elle est où? Et pourquoi tu parles japonais maintenant alors qu'on parlait anglais il y a 2 minutes? Anzuruna, ayakashi sawagi o eba, onushi no kataki mo araware yo. Je trouve que c'est du bullshit, moi. Bien, allons-y. Hein. Ah, j'ai pas le choix. J'y vais comme ça, je peux pas choisir mes missions. Ah, quand même. Alors, oula. Attends. Oui. Il est des démons. J'avais espéré capturer ce marchand étranger que je suivais pour utiliser comme monnaie d'échange, mais maintenant il est mort. Tant pis. Nous récoltons ce que nous semons. Ok. Vous avez acquis le fragment d'Imorogi. Si vous l'utilisez pendant une mission, vous perdez tout votre Amrita. Cependant, elle peut être récupérée en annulant la mission. D'accord, pas compris. Mission commande est ajoutée au dojo. Mission de commande d'action appliquée et ajoutée au dojo. Mission la voix du ninja novice a été débloquée au dojo. Mission crépuscule village béni a été bloquée. Mort aux bandits. L'île des démons. Ah, mission secondaire, mort aux bandits.
C'était quoi ça? Ah! Je peux retourner dans la même zone, sauf qu'elle est plus difficile. Putain, c'était niveau 5. Vraiment, c'était level 26 au moins ce que j'ai fait en difficulté. Ça va, hein. Putain, donc il y a une mission secondaire là. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. Et en récompense, je peux avoir une arquebuse, des munitions et tout. Mais je peux retourner pour aller chercher des petits trucs. Le point de départ. Et ça, c'est la nouvelle mission. Faut être level 12! Sa grand-mère! Putain. Ouais, du coup, on peut refaire, je peux refaire la mission à l'infini si je veux, là, de, d'aller tuer l'Onryo, machin, et d'aller passer 4 heures dans la même putain de zone, là. C'est quoi le point de départ? Oh, forgeron. Oh. Hello, madame. Appelle Tom. C'est mon prénom, ça? Sans le E. Dialogue. Racontez-moi votre histoire. Je veux en savoir plus. Oh, des butins spéciaux du rachat. Oh, bah les couilles, hein. Tu es qui? Je vais maîtriser l'art de la forge comme lui. Comme lui qui? Redessiner. Arme. Oh, je peux avoir des... je peux changer le style. Cheveux, MDR. Oh, je peux des... Oh, il y a du... Oh, il y a du craft. Oh, je m'en souvenais pas ça. Oh, c'est chiant. J'ai envie de pleurer. J'ai envie que tout s'arrête. Au dojo. Ah, je peux avoir des habits. Mission didacticienne, on les a faites. Mission d'entraînement. Je peux gagner des trucs. Ah, William, vous êtes venu. Si vous êtes intéressé, je serai heureux de vous enseigner ce que je sais de la voix du ninja. Oh, je reconnais votre force, mais bientôt, vous ferez face à des ennemis contre lesquels l'attaque de front ne vous mènera qu'au désastre. Ce qui vous va quand même attaquer de front comme des golemons, mais t'inquiète. Un ninja, cependant, frappe par derrière. Notre force réside dans notre habileté à contrôler le champ de bataille lui-même. Maîtriser nos techniques fera de vous un guerrier des plus grands. Vas-y, hein, go s'entraîner, hein. Qu'on s'entraînait à devenir un ninja, hein. C'est niveau 3 et on a du loot, moi je prends. Hein. J'aime bien ce dojo, il me détend. Ouf, quel style. Oui, ça va, j'y vais chercher. Qu'est-ce? Mèche de ninja célèbre. Mèche de cheveux, peut être utilisé à différents types de points de compétences. Ouais. Mais je la fous, ta mèche de cheveux d'enculé là. Oh, Onzo Hattori, là. Qu'est-ce que je fais, moi? Comment j'utilise ta mèche de cheveux? Elle est bien rigolote, mais... Ah, objet. Attends. Utilisez là pour obtenir 5 points de compétence ninja. Utilisez des points de compétence ninja dans l'option apprendre et compétences de statut. Ah! Oh putain, mon dieu! Non, pitié! Il faut apprendre des techniques au katana et tout, j'ai envie de pleurer. C'était quoi? Moi, c'était à la hache du coup. Oh mon dieu! Ça a l'air horrible! Oh, ça a l'air horrible! Et je dois apprendre quelle technique? Celle-là? Ah, mais oui, mais moi, c'est les arts ninja que je dois apprendre, suis-je bête? J'ai Shuriken 1. Comment j'apprends la suite? Faut que je termine une mission. Ah voilà, c'était celui-là. C'est bon, j'ai appris une technique. Faut passer au directif suivant. Je vais prier. Je prie. Je suis pieux. Capacité préparer un jutsu. Ah, c'est pour utiliser. C'est pour créer des consommables en fait, la voix du ninja. Très bien, très bien. Piacinette des raccourcis. Bon, attendez. Faut le faire, finalement. Faut le faire. Oui, je vais prier, je vais prier. Shuriken. Voilà, c'est bon. Je peux en crafter un. Comment je fais? Comment je fais? Expliquez-moi! Seigneur, la préparation. Non? C'est bon, ils sont prêts? Les Jutsu sont prêts? Je comprends pas le jeu. Je comprends pas le jeu. À l'aide. Raccourci. Ah, c'est bon, j'en ai. C'est bon, je les ai équipés. Tout va bien. Je suis pas trop autiste. Juste un peu. Qu'est-ce que je dois faire?
Des ennemis. Ça vaut l'œil. Oh merde. Alors ça c'est cringe. Ça c'est très très cringe. Hop là. Oh merde. Ils sont nuls. Ils sont nuls mes shurikens. Touille. Mon fumigène. Ok, il est mort. Mais meurs toi. Oh. Et... oh putain, j'ai plus de shuriken. Touille. Gagné. Un coup de pied dans la gueule. Oh, c'est tout. Ça régale. Allez hop. Finito. Rien à la foutre. M'intéresse pas. Pas lu. Ratio. Je me demande si on peut avoir des levels pour toutes les armes. Genre, on peut maxer toutes les compétences de toutes les armes en une seule run de jeu. Parce que j'avoue que les connaissances de ce jeu sont très faibles, hein, même si j'y ai joué à l'époque. Hein. Ah. Et ben voilà. Oh, j'ai la tenue de ninja. J'ai la tenue de ninja. Ah, on peut ici s'améliorer. Ah, c'est cool ça. Très cool. Ah, je serais tenté de faire la mission niveau 10, hein, je vais pas vous mentir, hein, parce que celle-ci elle est quand même level 12, c'est une mission d'histoire et puis en plus elle est sacrément difficile. Je pense qu'on peut partir sur la mission secondaire. Hein. Je croyais que les bandits engagés par ces marchands étrangers étaient vaincus, mais apparemment j'avais tort. Certains étaient encore en liberté, terrorisant les villageois. William, vous qui êtes un talentueux chasseur de démons, utilisez ces compétences au service de vos compagnons. Utiliserez-vous ces compétences au service de vos compagnons? Le reste de cette bande n'est qu'un ramassis de racailles. Si vous abattez leur chef, ils perdront toute volonté de se battre. Ok, donc on a peut-être un boss, mais un boss humain. Ce qui m'inquiète. Je vais pas vous mentir. Je pense que ça va être le plus difficile à affronter, ça va être les humains plutôt que les monstres. Parce que les monstres, c'est gros, c'est pas tôt, les patterns s'apprennent. Mais les humains, ils tapent vite son katana, ils ont pas beaucoup d'hitbox. C'est un peu la galère. Ok, donc c'est... est-ce que ça se situe un peu avant ce qu'on a fait ou pas? Tous les cas, prions. Prions pour notre salut. Je peux monter de niveau. Je peux monter de deux niveaux. Je peux taper encore plus dur. Parce que je m'en bats les couilles. Ah, ça me donne aussi du poids max d'équipement en faisant ça. Hein. Après, je pourrais aussi augmenter mon esprit. Ou alors je peux mettre tout dans la force comme un méga golemon. J'ai pas beaucoup de vie quand même. Voilà. Je vais faire ça comme ça. Je peux lui faire une offrande. Mon arquebuse, je la garde. Je peux aller se faire foutre. Je peux se faire foutre. Ah oh ouais, attends. Je veux m'habiller en ninja là. J'ai trop envie. Oh là là, les habits de ninja. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Oh le charisme. Tac 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 tac. Toui. Incroyable. J'adore. Bon, avançons. Bon, ici il n'y a pas de petit bonhomme à looter. Hein. Oh attention. Tac 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 tac. Ouh, il y a beaucoup de bugs là-bas. Non merci du coup. J'ai cru que c'était un coffre. Je suis très triste. Oh bonjour. Bonjour monsieur le pirate, je suis un ninja. Ah mais il fait quoi lui? Il se prend pour qui? Je fais pas beaucoup de dégâts, hein. Ça se voit que c'est une mission niveau 10. Hein. Ah, j'ai découpé. Dommage pour vous Michel. Bon, blague à part, c'est bien rigolo le ninja, mais on va mourir très vite si on fait ça. Hein. On le sait tous. Hein. On le sait tous. Voilà. Plus bandito là. C'est une porte? C'est pas une vraie porte. Oh attendez. Hey. Merci, merci. Ah. Hello. Yes. Meurs. Pitié. Merci. Des flèches. Quelque chose me dit que ça va être vraiment utile. Genre là j'ai pas touché la tête. Et voilà. Gagné. Elixir. De la merde. Mais je prends note.
Je sais pas où je dois me rendre. Ah, est-ce que je rejoins le point lumineux sur la carte là-bas? Du coup, je dois faire en sorte de re-atteindre le début du jeu en fait. Qui est là? Toi. Tu veux te battre? Ah, les attaques fortes, c'est décidément très fort. Hein. Et là, du coup, j'imagine la porte est fermée. Ouais, bien sûr. Ah! Hello! Tu regardes un peu trop en l'air à mon goût, toi. Yes. Son casque s'est enlevé. Il a un chapeau. Non, je croyais qu'il avait un chapeau de cow-boy. Touille, touille! Oh, oh oui! Oh, tu es fou! Tu es fou, Jean-Michel! Tu as décidé de mourir! C'est triste. Oula, genre, quelqu'un m'a entendu. Ah, lui. Alors, on peut pas venir? Dommage. Dommage pour toi, dommage pour toi. Jeune troubadour. Alors. Montons. En plus, de bah, toute façon, on est level 10. On a le level techniquement pour aller se taper leur chef là. Oh, les corbas qui m'ont fait trop peur. Salut toi. Alors, bon, ma seule inquiétude, c'est si t'as des potes sur le techo. T'as pas l'air, hein. Mais t'en as peut-être dans la maison. Apparemment oui. Oh, ils sont deux devant le coffre. Chien. Bah attends. Pardon messieurs, arquebuse. Voilà. Ah là là. Alors, comme on dit dans mon pays, attention la civilisation. Voilà. Salut toi. Viens dire bonjour. Oh bah alors ça, j'en ai vu des conneries hein. Paf. Merci bien. J'ai cassé la gueule. Oh, des meilleurs bras et une trousse de soins. Bah dis donc, une trousse de soins. Comme ça. Oh, une armure rare. Équipons tout ça, équipons tout ça. 26-27. Cela donne taux de butin en plus. Dégâts à main nue, mais on s'en fout des dégâts à main nue. 26 c'est mieux. Et celui-là, 28. Mais j'ai déjà 34. Pourquoi je voudrais du 28? Il est chier. Oh, un charme. On s'en fout. On s'en fout, on s'en fout. Attends, la trousse de soins par contre. Je veux pas dire, mais... trousse de soins, quoi. La trousse de soins. Elle est où, ma trousse de soins? Trousse de soins, trousse de soins. Trousse sacrée, mais je m'en fous. Elle est où, la trousse de soins? Où est le soin? Je crois que c'est un mensonge. Je crois qu'il n'y a jamais de trousse de soins. Si, en fait c'est ça, je suis bête. Tout va bien, tout va bien. My bad là-dessus. Oh tiens, il y a un mec là. Attention. Hein. Moi vraiment, l'arquebuse, ça me régale. Hein. Ah, il y en a un là. Salut toi. Oh, il a eu le temps de me toucher, je le déteste. Oh, il a une lance, vraiment, chien. Il m'a fait mal. Du coup, je boude. Je suis en full booding, là. Ok, c'est par là-bas que je dois me rendre. Ah, salut toi. Ouf, putain, le chien. Oh, je vais mourir, je suis dead. Ils sont trois. J'avais pas vu qu'ils étaient trois. Oh, c'est la merde. Oh, c'est la merde de ouf. Ok. Oh, je crois qu'il était mort. Où est-ce qu'il va? Oh, le bâtard. Il passe dans la maison pour me contourner. Malin, cette IA. Meurs. Putain, il est pas mort. Ils sont étourdis. Lui il est mort. Nice. Surtout lui qui va me faire chier en fait. Yes. Yes, yes. Voilà, c'est gagné. Voilà. Ouf. Ils m'ont fait giga mal hein. Ils m'ont fait giga mal les bâtards. Ouais, un charme. Peut-être. Ouais, le charme de niveau 5 là qui est pas ouf.
Vie, plus 11, je prends. Je prends direct. Putain, je me suis fait casser les genoux quand même. Ils m'ont cassé la gueule. En fait, ils étaient trois, ils ont triché. Le loot, toujours le loot. Flèche x 4, je prends. C'est quoi ça là-bas? C'est un mec? Y'a des mecs là? Y'a un Korbak. Je peux tuer le Korbak? Je peux tuer le Korbak et ça loot. Une pierre, on vient de mourir. J'ai caché une flèche pour une pierre. Alors toi, toi tu vas prendre pour tous les autres. Hein. Voilà. Salut toi. Allez, ramène-toi si tu veux, t'auras assez d'HP pour que je te one-shot. C'est tout ce qui m'intéresse. Oh, t'es meilleur bot. Attends, on va attendre qu'il se lève l'autre, parce qu'il va venir m'attaquer, voilà. Adieu. Trop bien cette hache. Des meilleurs bots donc. Prenons, prenons. Niveau endurance, on en est où là? Avec 93% de poids. On est gros, on est big. Oh, attends, il y en a un là. Il y a un salaud là-bas. Lui, il va essayer de m'embuscader comme jamais. Donc contrôle embuscade, la science, hein, ni plus ni moins. Voilà. Personne m'a attaqué. Ah, il y a ses potes dedans, un élixir. Il a l'air quand même big, hein, le type à l'intérieur. Oh bah c'est le boss, c'est leur chef. C'est littéralement leur chef, hein. C'est mon objectif. Jinbei la fable. Je peux parler. Alors la technique serait de tirer sur la tête du boss, mais bon, j'ai pas envie de taper le péon. Hello. Bonjour. Connaissez-vous les flammes de Doudoun? Oh, il a tellement de vie leur boss. Eh ben il est mort. Let's go. Let's go. On prend le loot. Et c'est juste devant. C'est nice. Je pourrais peut-être aller encore un peu farmer en tuant des bugs. Alors, c'est extrêmement risqué. Ah, je peux pas affronter le mec. Ok, bon. C'est-à-dire que c'est vraiment fini. Bah, avançons. Terminer la mission. Oui, je continue. Je finis. Ouais, il est 1h30 du mat, j'avais pas vu. Oh. Faire un épisode plus court, hein, je sens, moi, aujourd'hui. Hein. Je sens que je vais faire un épisode plus court. Hein. Par contre, aussi, le truc que je pourrais faire pour me faciliter un peu la vie, c'est... Oh, beau travail, comme je l'avais prévu, les villageois étaient ravis, ils ont connu leur lot de malheur ces derniers temps, espérant que ce soit le dernier. Ah, mais j'ai eu des trucs, j'ai pas regardé. Ce que je pourrais faire entre chaque épisode, c'est refaire des fois les missions, comme ça, ça me permettrait d'augmenter un peu plus de level. Et bon, bah, vous inquiétez pas, hein, même si je suis un peu plus level up, je vais quand même galérer de fou dans les zones, hein, parce que vraiment, ce jeu, il rigole zéro. Je pense que même si là, je farm pendant 5 heures là, les deux missions, là, la mission d'histoire pour avoir tous les petits bonhommes au sol, into faire la mission des bandits, et que je sois level 20 quand je vais faire la mission level 12, je pense que je me ferai quand même tout shot, hein, ça va être énervé. Hein. Mais bon. En tout cas, je vais m'arrêter là, YouTube. Je suis désolé, je suis extrêmement fatigué. Surtout que j'ai pas envie de commencer l'histoire parce que ça me ferait une miniature pour l'épisode prochain. Et comment dire. Et surtout, bah, je vous laisserai le début de l'épisode où on découvrira la grotte ensemble. Hein. C'est plus ou moins de la découverte, hein, comme ça fait super longtemps que j'ai pas joué au jeu. Genre vraiment longtemps, ça fait 7 ans. Putain, 7 ans. Mais vous inquiétez pas. Vous allez bien me voir galérer. Hein. Je sais que j'ai des très mauvais souvenirs de cette grotte. Que j'ai beaucoup galéré. Je crois que je me faisais casser la gueule par ne serait-ce que les trois premiers ennemis qu'on croisait dans la grotte. C'était quelque chose. Bon allez. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous aimez bien Nioh, si vous en voulez plus, tout ça. Parce qu'on en fera. On en fera plus. Hein. Je sais pas si je finirai le let's play, on verra. Mais je vais essayer, comme tout le let's play, de finir. Mais lui, comme c'est un Souls qui est un peu différent, ça peut être compliqué. Voilà. Bon, je fais des gros bisous, puis à la prochaine, ciao ciao.